Hello, bienvenue sur la chaîne Agir Plus Plus. Vous savez, les erreurs et les échecs sont des mécanismes d'apprentissage puissants qui vous mèneront au succès. Quel que soit ce que nous entreprenons, nous devons apprendre constamment de nos erreurs pour tirer profit au maximum. La plupart des entrepreneurs célèbres vous diront qu'ils ne sont pas arrivés là où ils sont aujourd'hui sans avoir surmonté quelques obstacles. Dans cette vidéo, je vous présente quelques citations inspirantes pour vous booster le moral au quotidien. Top, c'est parti! Une période d'échec est un moment rêvé pour semer des graines du succès. Oublie les conséquences de l'échec. L'échec est un passage transitoire qui te prépare pour ton prochain succès. Je n'ai pas échoué. J'ai simplement trouvé 10 000 solutions qui ne fonctionnent pas. Montrez-moi une personne qui n'a jamais fait d'erreur et je vous montrerai une personne qui n'a jamais rien fait. Le succès, c'est d'obtenir ce que l'on veut. Le bonheur, c'est vouloir ce que l'on obtient. Si vous mettez votre cœur dans la réalisation de vos projets, si la passion vous dévore et que rien ne vous arrête, succès y aura. Le poison le plus dangereux est le sentiment d'accomplissement. L'antidote est de penser chaque soir à ce qui peut être mieux fait demain. La plupart des grandes personnes ont atteint leur plus grand succès juste un peu après leur grand échec. Si ce que vous faites ne vous rapproche pas de vos objectifs, alors cela vous éloigne de vos objectifs. Le succès est la somme de petits efforts répétés jour après jour. Le succès n'est pas la clé du bonheur. Le bonheur est la clé du succès. Si vous aimez ce que vous faites, vous réussirez. Nous avons tendance à mesurer la réussite à l'importance de notre salaire ou à la grosseur de nos voitures plutôt qu'au lien que nous cultivons avec les autres. Le secret du succès est de faire de ta vocation tes vacances. Lorsqu'on a 20 ans aujourd'hui, on n'a pas le droit de ne pas tenter quelque chose. Si vous êtes déterminé à devenir avocat, vous avez fait plus de la moitié du chemin. Sachez que votre volonté de réussir est plus importante que tout. La difficulté ou l'obscurité d'un sujet n'est pas une raison suffisante pour le négliger. L'échec n'est pas une question d'insécurité, c'est une question d'absence d'exécution. Le secret de la réussite est d'apprendre à se servir de la douleur et du plaisir, au lieu de laisser la douleur et le plaisir se servir de vous. En agissant ainsi, vous contrôlez votre vie, sinon c'est votre vie qui vous contrôle. La confiance en soi est le premier secret du succès. Il faut échouer souvent pour pouvoir réussir plus tôt. Celui qui réussit se concentre sur ce qu'il attend de la vie et non sur ce qu'il ne veut pas. On ne va jamais si loin que lorsque l'on ne sait pas où l'on va. En vérité, le chemin importe peu. La volonté d'arriver suffit à tout. Le succès n'est pas dans ce que vous avez, mais dans ce que vous êtes. La souffrance fait partie de la vie. Sans souffrance, nous ne pourrions savourer le véritable plaisir
ni nous réjouir. Quand nous comprenons cela, le fait d'être en vie devient alors une joie en soi. Chaque fois que vous affirmez ce que vous voulez ou croyez, vous êtes le premier à l'entendre. C'est un message pour vous et pour les autres sur ce que vous pensez être possible. Ne vous imposez pas de limites. Je savais que si j'échouais, je ne le regretterais pas. Mais je savais que la seule chose que je pourrais regretter, c'est de ne pas avoir essayé. Un enfant n'apprend pas à marcher en suivant des règles. Il apprend en se levant et en tombant. Et ainsi de suite. En bonus, j'ajoute la citation, ma citation préférée, c'est-à-dire celle de Socrate, que je trouve la plus complète, qui dit « Une chute n'est pas un échec. L'échec, c'est de rester là où l'on est tombé. » C'est vraiment la citation la plus puissante, selon moi. Autrement dit, si tu tombes 7 fois, tu dois te relever 8 fois pour avancer et atteindre ton objectif. Peu importe la couleur, la force de l'adversaire, l'humeur du moment, seul le tempérament volontaire, gagneur, réfléchi, permettra de progresser et d'apprendre. Peut-être gagner. En tout cas, laissez-moi votre citation préférée dans les commentaires. C'est la fin de cette vidéo. Merci à vous d'être là, d'avoir visité cette chaîne. Et si c'est la première fois, merci de vous abonner. Laissez un petit like, c'est vraiment une richesse sur YouTube. Si vous ne commentez pas, si vous ne likez pas, la vidéo ne se fait pas référencer. En tout cas, ça m'encourage. Tous vos likes, vos commentaires m'encouragent, vos abonnements m'encouragent à développer davantage de nouvelles idées. À bientôt sur la chaîne Agir++.